Alors, je m'appelle Aloïs, je suis coach professionnelle, donc je travaille essentiellement avec des entreprises. J'arrivais un petit peu à la limite de ce qu'on pouvait faire avec du questionnement simple et j'avais vraiment envie d'être outillée. Et en découvrant la dépolarisation, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est génial parce que cet outil va vraiment en profondeur et permet vraiment de changer les gens et de les faire avancer. J'ai découvert la dépolarisation par le livre d'abord de Pierre, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Et ça a vraiment attisé ma curiosité. Je commençais déjà à me servir justement juste en ayant lu le livre de l'approche, je dirais. Et donc, j'ai vraiment voulu en apprendre davantage et affiner ma pratique. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers la formation Tech Dépôt. Je dirais que je suis vraiment plus à l'aise. Ça me permet vraiment de... justement, quand j'arrivais un petit peu à la limite de ce que pouvait apporter le questionnement, je passe en mode dépolarisation et je suis... vraiment confiante quant à justement à l'issue de ce questionnement et à l'issue du process. Donc je dirais que je me sens vraiment plus confiante dans ma pratique. Disons que j'avais plus d'incertitude quant à la conduite d'une session. Ça donne une assise en tout cas et vraiment des outils qu'on sait qu'on peut dégainer et dont on est persuadé de l'efficacité. Et ce, avec n'importe qui. Je dirais d'y aller, vraiment, à 100%. Moi, je recommande à 100%. Si c'est quelqu'un qui veut renforcer sa légitimité, son niveau de confiance, qui veut travailler aussi avec des personnes, surtout sur le sujet de la performance, parce que je pense que c'est un outil qui s'y prête parfaitement, je pense que c'est vraiment la formation qu'il faut. Je pense que vraiment l'atout de la dépolarisation, enfin pour moi, à mon sens, c'est vraiment un outil qui se prête parfaitement à l'accompagnement de la performance. Et je pense que, en tout cas sur le marché français, il n'y a pas mieux. Donc voilà, en tout cas j'encourage tous les gens qui ont envie de se former, en tout cas d'accompagner comme ça sur ces sujets-là, de se tourner vers la dépolarisation.